Yo. On va baisser un peu la zic. Salut les viewers. Petit live. Rapide. On va mettre un chrono. On va regarder combien de temps. Ouais, on va voir si on fait une heure. On se fait une heure. On verra. On va la jouer tranquille. NL 25, 50. Si ça se passe très bien, on va peut-être m'ouvrir une table de sang. Allez, on est parti à 80 € de BR. Et on est monté à 907. On va essayer de se faire une roll sur PMU sans déposit. Et on va bien voir comment ça se passe. Je vais me coucher ici. Un peu fatigué. Du coup, c'est le moment de s'amuser en stream tout en montant éventuellement une roll à des limites plutôt faciles. On a quoi? On a deux tables de... On va mettre les 50 en bas. Je focus un poil plus sur mes tables qui sont en bas. Que dire? Je vais regarder un petit peu. Ah ouais, je vais faire la pub sur les... Sur le Discord. C'est parti. On va voir si ça rameute un peu de monde. Je veux bien que vous me... Qu'il y ait des retours dans le chat si jamais... Si jamais il y a des problèmes ou pas. Non. On a Didier derrière, là je voulais iso très loose, mais on a Didier derrière qui est 36-3. On va pas faire le foufou avec une autre valet 8 off. Pas faire le dingue non plus. Alors on a Jets ici qui est pastille et fiche 44-0 pour l'instant. J'ai eu des petits problèmes de co tout à l'heure, j'espère que ça va bien se passer. J'en ai plein le cul de ne pas avoir une bonne co. Ça va venir normalement. Cette putain de fibre, on l'attend avec impatience. Ici 8 et 4. Ouais, ouais. Je suis folle. Lui, ça fait plusieurs fois qu'il donk small comme ça. À moins que ce soit lui, je m'en rappelle plus. J'ai changé les tables, du coup j'ai un bug là. Non, c'était pas. Ouais. On peut call, on peut raise. C'est un peu pénible. Ouais, ouais, on bat, c'est... On va raise. Même on va raise cher, même. GG à lui, s'il a un 8. Sur le 9, on va se calmer ou pas. On va se calmer. Il a encore des 7 combats. Pas évident. Ok, il va pas bluffer ses 4. Il peut bloquer les 7x, mais bon, pas sûr. Il aurait pas bloqué aussi vite dame 7, les mains comme ça. J'ai l'impression d'être derrière là. Putain, je sais pas quoi faire. Il a des 9, ce con. J'ai l'impression que je suis... J'ai pas aimé. Mon raise était trop cher hein, au flop. J'aurais voulu raise beaucoup moins cher. Je vais fold. Ouais, pff, là, c'est vraiment close, mais en même temps, je le vois pas trop faire size en bluff. Ouais, mon raise était pas bon au flop. Hey yo, 12V. Hey yo, Tignard. Caméra et tout. Ouh, mais je sais pas pourquoi il y a un lag. Il y a un gros lag. Elle lag ma caméra. J'ai pas résolu ce problème. Il y en a plein, des problèmes. Il y a des laguiches un peu partout. Mon PC, il est pas non plus en pleine forme. On va check call, voir check raise ici. Il va trop prob lui pour l'instant. Il fait que le foufou. Ok, et maintenant on va lui en mettre deux. On va lui en mettre deux assez souvent. N'hésitez pas à me faire des retours sur la technique, les gars. Bon, on va essayer d'améliorer un peu les streams, d'améliorer l'overlay, tout ça.
y a du boulot. Ouh, on a un client. Ok. Il n'y a pas non plus des notes si affriolantes. Donc pote R sur doublette. Et énorme CS. Bon, c'est une énorme CS. Il doit avoir des stats affriolantes. Namasté ASV. Bleu, c'est ma pastille baleine. On est content d'en avoir deux en 25. On va essayer de jouer que de la 50 hein, si possible après. D'ici pas mal, une petite full ring comme ça on a le temps de jouer sans stress. Est-ce que je vais essayer d'ouvrir une petite 50? Ouais, il y a une 50 là, je vais peut-être l'ouvrir. En même temps, c'est presque dommage. Ouais, je vais la mettre là pour l'instant. Ça va être un peu dégueulasse, mais ça va être presque dommage parce que on a deux baleines en 25. Allez, on va essayer de se jouer 5 tables tranquille. No stress, on respire car. Oh! Double clic, ça fait ça? Donc ça bug complet. Je peux plus rien faire avec cette table. Ah si, c'est bon. Je sais pas pourquoi la je peux pas la réduire. A été vu en train de faire l'oiseau sous la pluie. Je vais la dégager. Je vais attendre que ça marche mieux. Plus la réduire, mais vraiment je déteste ce soft, me pourrit la vie, il faut se le dire. Donc lui c'est un fiche, hein. Oh, folle. Ouais, presque call ici, lui il open tout, lui il va shove any tout. Pas déconner non plus. Bon, j'arrive pas à réduire cette fenêtre. Ah, c'est bon. Alors, on va défendre Dame 3 suit. Et ici, on va squeeze. On va squeeze notre Dame Valet. Eh ouais, on va devoir faire un... N'empêche, ça prend souvent, ça. Hein. On va plus faire 16. On va fold notre paire de 7. Ici, on va c-bet un tiers. Et voilà, j'ai déjà time out. Ça y est. Il a snap, check back. Je vais faire une bébé. Et il va tout le temps. Ouais, on va se coucher ici. Il est nuts. Là, j'aime bien faire une bébé. Parce que quand ils ont slowplay les As, ils peuvent pas s'empêcher de raise. Donc, je fais une bébé. Et si, mais, s'il me raise pas, il est dans la merde. Et là. Bah, merci, poteau. Hein. Écoute. Bon, allons-y, j'ai envie de dire. Merci. Je sais pas comment on show. Je vais fold la paire de deux. Lui faire un bisou. Bon bah ça y est, j'ai des soucis de lag. Si on va just call les 9, on aurait pu squeeze. J'essaie de gagner du temps. Ouais, j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais je pense que le squeeze est mieux. Avec lui qui est short derrière, je m'en fous, je peux partir à tapis. Check ici. Ici on va se mettre un tiers. Ça y est, je suis débordé. Ouah, je me fais n'importe quoi là, ça y est. Ah là là. Ouais, en fait, ça m'emmerde cette table. Alors, quelle table je vais quitter? Eh ben, je vais quitter celle-là, je sais que elle est pas très belle. Allez, je vais la mettre sur le côté, ça m'énerve. Je mettrai au centre si un bon coup. Alors pourquoi j'ai noté bleu lui alors que il a là des stats de règles et les autres règles se barrent, je trouve ça assez chelou. Et il se barre. Oh, c'est un règle que j'ai dû voir faire une dinguerie interstellaire. Et là, il y a moyen de faire une dinguerie. Je vais check et si me bête, je vais le pourriner. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. J'ai bet flop, check turn. Ouais, non. Ouais.
Ouais, non, je vais give up. Je vais give up. J'aurais pu bourriner. Ah bah, on a perdu une table. J'ai pas forcément envie de jouer celle-là, mais bon. On va s'en trouver une. Fold. Recale le chat un peu. Ouais, bah en fait j'ai pas trop le choix, ça fait trop petit après. Je me suis dit que c'était pas très grave, mais bon. À la limite je peux faire ça, ouais. Ah non, je sais ce que je vais faire. Alors, on a un squeeze ici, on va faire tout petit. Ça n'a pas besoin de faire beaucoup plus cher. Un peu ciseaux, assez facile. Ici on va. Ouais, j'avais pas vu ses stats. Lui, il est 28-1. J'aime pas trop. Mais bon. Alors, ici, il va call beaucoup. Je pense que je l'ai mis pour. Ou alors, je peux. J'aurais pu, ouais, je protège un peu, mais. Allez, on y va là. Tranquillement, un tiers, on va valuer les pochettes, tout ça. Alors, le chat. Tout est vite, tu me déconcentres. La musique. Ouais, ok. Je baisse un poil. Ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air mieux. Est-ce que là c'est bon la musique? Tant de choses à contrôler. On fold ici. Allez, le chat. Je pense que je peux faire un espèce de truc. Comme ça. L'écraser un peu. Mais bon. Allez, à 5. On va faire vraiment tout petit ici. Je vais faire une blinde. Je veux qu'il colle absolument tout. Je veux qu'il colle Damai. Non, mais ouais, j'aurais pu même check pour qu'il touche. Ok, il min raise. Je vais m'amuser. On va jouer avec lui. Parce que là, le min raise, il a tout le temps quelque chose. Je le vois pas folle de ce mot. Et là, putain, qu'est-ce qu'elle main me min raise ici? Quelle main me min raise? Quelle main me min raise? Il va rien fold là, on est d'accord. Et là j'ai fait n'importe quoi. À 5 sur son donk. Ah, il est pénible lui, donk tout. Ok, bon. Il est chelou. Ouais, j'aurais pas dû min. Je sais pas, c'est un peu n'importe le spot là. Il a quoi? Il a un vieux 6. C'est trop bizarre ce qu'il fait. Allez, on va sit out de celle-là. On a trouvé une autre table. Ah bah non. Oh, le mec, il arrive. Il sit out. Il se fait jeter des merdes. Putain, j'ai sit out déjà deux fois. J'ai plus de time box sur cette table. C'est nul. Ah, oh, le limp re-raise. Roi valet, ouais, et ben j'étais pas mal, hein, avec... il m'a min raise un roi. Incroyable. Magnifique. Bon, cette table, je la trouve pas très belle. Quitte à jouer de la 50, autant jouer des belles tables. Hein. Pas grave si on en a que 3. On va attendre d'en trouver une plus jolie. Alors, en 50. Celle-ci, on n'a pas les. Ah merde, c'est pas une 50, c'est une 25. On va check ici, tranquillement. Check call. On a une 25 qui vient de s'ouvrir. Et là, on va. En fait, lui, il est très. Tiki-ish. Ouais, on va bet quand même. Et on va value les as. Et là, on va faire tout petit. Et on va être curieux si nous raise. Encore value les as. Hop.
Et lui, c'est un fish. Ouais, Jet 54, c'est un donker. Fold ici, je crois que c'est un reg. Open. Check. Ouais, c'est mieux. Ah, tu nous as volé notre musique. Bah, en fait, c'est toute la playlist de Wasback là. Je vais décider de la mettre en boucle. Et là. On peut check, on peut bet. Je suis pas sûr du bluff en multiway là. Ici, on va faire small. Et on va parpiner la turn par contre. Et on va. Overbet même. Ici on a 3 bêtes. Et ici on a fold. Alors là ça m'a l'air d'être un fish tight. On va payer ici As 10 le 30%. Allez. Là, c'est fini mon poteau. Ok. Ah le bâtard. 6 et 7. Putain il a shove direct ça quoi. Ah c'est dur, j'aime pas quand ça fait ça, on prend une cave et on en perd une dans le... Bon c'est pas vraiment une cave que j'ai perdue en haut à gauche mais... Check. Je peux c'est bête ici mais... Vestiaire, je vais fold. Ils sont assez honnêtes. Ouais quoique non ouais je... J'aime pas trop, j'aurais dû raise. Ok, on va noter qu'il est quand même fast. Il fast sa quinte sur flush draw board. Ça peut être intéressant. Et les X sont pas tout au même niveau. J'avais l'impression que celle-ci était un peu moins forte. Bon, on verra. Ok, ou alors c'est mon micro qui est pas assez fort. Ici, on va small. Il a call notre ISO. Plein de mains qui vont call. J'avais envie soit de bet small, soit de check, mais en même temps c'était plutôt dans l'idée où d'aller bet plein de mains. Non ouais, non c'est nul, c'est nul, c'est nul, faut bet là. Ok, il va pas pouvoir lâcher de 10 de valet. Je vais faire 9. Ouais, peut-être play 10, il peut en fold un peu, mais... Je pense que roi 10, dame 10... Va pas fold. Ah ouais, je vois le stream, c'est pas ouf, là. Ouais, c'est dur de participer avec le décalage. Mais j'ai beaucoup moins de décalage que Tignard si vous voulez venir me stream hack. Allez, DP, on va betcher. Il a encore des 9 et 10, 8 et 10. Qui vont tout le temps nous call. D8X. Je vais essayer de me focus et d'arrêter de faire de la technique. Il y a un truc qui m'emmerde, cela dit. Oh, vas-y, j'arrête. C'est pas grave. Il y a un petit blanc là-bas, là, que j'aime pas, là, à droite. Enfin, no, ça fait noir plutôt, d'ailleurs. Je vais ISO ici avec Dame 9. Je vais fold Dame 8 ici, vs lui qui open seulement une fois sur 40 mains. Ouais, c'est close, putain. Je fold. On va se bet un tiers. Ici, je sais pas trop. Ouais, il est 73-6. Ok, énorme raise sur ce genre de board. Je fold directement. Allez, on va voir si on trouve une table en 50. Seul plus pénible, c'est de trouver des tables quand je suis en stream. Ça me gonfle un peu. Donc ça, c'est la full ring. Hop. On va ouvrir 10 et 8 off. Ah, vous en êtes au moment où j'étais un peu en panique là. Bah ouais, je joue 5 tables. On peut pas jouer 5 tables, Karl. Je suis trop vieux.
Bah vas-y, hein. J'avoue que ça peut me défocus de ouf. Faudrait pas que j'entende Fab en fait. Faudrait pas que je t'entende, Fab. Faudrait que tu. Mais bon, en même temps, on va parler ensemble l'un sur l'autre. Ouais, non, ça marche pas. J'avoue, hein, j'aimerais bien. Putain, Dame 7 suit, c'est un open là. Voilà, dès que je. On voit, j'ai la preuve, on a la preuve que je suis pas très focus. Allez, les As, on espère qu'il va se passer quelque chose. On espère se faire raise par un reg. Call du fish. Tank, re-raise. Call du reg. Voilà. Ce serait trop beau. On va faire tout petit ici. Puis là, on va commencer à faire cher, hein. Et puis, ouais, je vois pas trop d'autres plays. 5.5. La limpette. Je sais pas trop qui c'est lui. Check. Alors, est-ce qu'on a une 50 qui traîne sur laquelle on n'est pas allé? Bon, je vais ouvrir des 50 vides. Alors, ça c'est bête. Mi-pot en multi-way. Je vais fold troisième paire. As-Dame, c'est bête un tiers, call un raise, enfin, ça dépend de la size, du size. S'il nous shove, ça va être compliqué. Allez, on va jouer un 5-way pot avec notre seconde paire, ça va être compliqué. On va check. Ah, je crois que j'ai regardé juste avant, mais je suis pas sûr. Roi 4, Roi 4, est-ce que j'iso ça? Ouais, je vais iso, je vais iso. Roi 5, pardon. Ah, le bâtard. Ah, et on a troisième paire maintenant, ça va être compliqué. Ah, il y a une 50 avec deux joueurs, on va voir ce que ça donne. Et je vais fermer les 25 où je suis ici tout seul. Check ici, fold. Ouais, j'ai beaucoup trop de tables. Alors, les 50, j'en ai pas besoin de 12. Parce que d'un coup, je vais paniquer. Et celle-là, c'est quoi? C'est une 50 aussi. On va en garder qu'une. Hop. Et là, bah, on a rarement gagné hein, quand même. Mais bon. Faudrait qu'ils aient tous des pockets ou des A6 pété. C'est pas gagné. Ah putain, mais n'importe quoi, le valet 9 là, qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai branlé. Allez, ça folle ici, putain, le valet 9. J'ai remarqué que j'avais ce leak et puis là, pareil, ils ont. Dès que je suis paniqué, je fais de la merde. Allez, on va c'est bête. Ouais, c'est peut-être small, mais je sais pas si là je ferais pas mieux de partir pour les. Waouh! Waouh! Je vais pote ici. Je vais pote. Je sais pas, j'hésite. Ah, je vais faire cher quand même. J'ai pas envie qu'il fold. Ah ouais, putain, je sais pas trop là. Ouais, il n'y a pas de main qui fold, là, faut pot, overbet. Non, mais overbet sur la doublette du 7, ça m'embête, mais. J'aurais dû jouer en explore. Alors, comment on peut faire ici pour que ce soit sympa? Bon, de toute façon, là, on va essayer de tout prendre un. Enfin, de prendre le maximum un As et basta. Check ici. Ouais, j'aurais pu peut-être faire autrement, là. J'aurais pu prendre plus. Fold. Ok. Faire cher ici. Des mains moins bonnes qui vont nous payer. Ah. Un reg qui vient nous sit. On va chu. On va le laisser. Yo, Ouroboros, beau. Ouroboros, oui. Payé, paire de 7. Overruled. J'ai l'impression que c'est celle-là qui est trop forte. Si je ne me trompe.
Check. Ouais, un peu fatigué, j'ai bien chaud dans mon bureau. Du coup, j'ai pas la win, donc un petit challenge BR. C'est moins grave si on fait de la merde. On va folder ici, ça peut être cher, mais bon. Assez chelou. Je vais pas pouvoir assumer de bars. Allez, on fait fold les pockets ici. On va pouvoir manœuvrer. Il a pas réfléchi à raise des valets. Il aurait pu réfléchir. Bon, alors après, s'il a des... c'est un peu ambitieux, mais... Je pense que je vais bluff cette main. Snap call. Pareil, il a pas réfléchi. GL à lui. Il a pas réfléchi, donc il a pas trop de full. Il a pas trop de quinte. Donc, go. Et ah, j'aurais dû faire plus cher. Parce que s'il me call une dame là, c'est une horreur. Mais pour moi, il a pas de quinte. Il a des 10x. Mais. On va call ici. Je crois que ça me fiche, hein, lui. Hein. Ah, je me mets un peu de froid. Je transpire comme un bœuf. Fold. Ah là là, j'ai la presse, je sens que Tignard doit avoir toutes ces erreurs que je fais. J'ai toutes ces erreurs d'inattention surtout. Allez, 12V, à plus, merci. Je sais pas si t'as dû déjà partir. Allez, 4. On iso. En fait, ce qui me prend le plus de focus, c'est de revenir sur les coups que je viens de jouer quand il y a des coups qui arrivent. Ça va m'aider, hein. Ça va me permettre de... Wow, le 3 bêtes de barbare. Comment je le crois pas? Oh, Satsuki, je te crois pas. Je te crois pas. Je bluffe. Alors là, je pars en bluff. Je crois pas, ce size. Gros, il fait jamais... Oh, par contre, lui, il a des mains. Je suis deg. Allez, le valet. Oh, comme c'est beau. Comme c'est beau, la chatte. C'est juste qu'il fallait demander. Un peu violent. J'ai été un peu violent, mais on s'amuse. Satsuke, avec le fish short, il a aucun intérêt à le faire fold. Par contre, ouais, j'y crois pas à son size, quoi. Satsuke, dans tes dents. Bon, après, c'était un read un peu délicat. Mais ouais, son size, je crois pas. Il avait une pocket bizarre, là. On va checker ici. Oh la chatte. Putain, il doit être en PLS. Et on va quitter cette table. Hein. On va commencer à bluff directement ici. Ici, on va call. Ici, on va fold. Bête du 3. Est-ce qu'on n'a pas un play à faire ici? On va en mettre... On va bête là. On va en mettre 2. Est-ce qu'on n'a pas un play à faire? Est-ce que je peux pas faire petit, va me raise? Ouais, bah j'aurais bien aimé faire plutôt 5,50. Et ici, ben, GG gros, le check raise. Là, il va me raise, c'est le plan. Et là, je vais shove. Je pense pas qu'il ait les coronets de fold. De fold over pair. Puis je rep vraiment flush draw, machin qui dit allez fuck. Ouais, c'est un peu cher. J'avais pas vu qu'il avait autant derrière. Si fold 8-8, c'est vraiment la merde. Ah, il va pas trouver la force. J'aurais dû regarder un peu mieux le profil. Ah putain, ouais, non, c'est mal joué. Je pensais qu'il avait moins derrière dans ma tête. Le temps que je joue cette paire d'as, ça c'est vraiment nul. C'est nul. Bon, en même temps, il avait des draws aussi. Mais bon, je pense qu'il avait plus des mains qui se chiaient dessus que de draws. Ah non, c'est une catastrophe. J'aurais dû faire un min raise là ou je sais pas quoi, un truc un peu. Je vais la noter, celle-là elle m'intéresse. Et du coup, HM qui bug. Tout bug. Absolument tous mes logiciels bug. Je sais pas trop ce que j'ai en ce moment. Allez, Roi 5, on va ouvrir sur ce blind. Sur ce 14 blind, c'est peut-être pas ouf. Avec lui qui est un peu gueudin. Je sais pas si ça le fait.
C'est bête, un tiers ici, on se fait 3 bêtes, pas cher, à 5, c'est vraiment close. Ouais, je vais call. Ici on va check, ici on va fold. Et on va fold vs Meepo. Et là, est-ce qu'on n'a pas un peu de value? Je connais pas Moulus. Moulus! Ouais. 4 egg à table. On va dire que c'est un fish. Qui peut me call moins bien? Il a des 7x, des 9x qui vont devoir call. C'était bien un fish. Je me suis dit potentiellement. Du coup, il nous a call quoi le poteau? On va call ici aussi. Fold. Mais tout rame, tout lag. Ah, mais il a fold, j'ai cru qu'il avait call. Voilà, je... check. Satsuke. Fold beaucoup aux 3 bêtes, Satsuke. Enfin, nous, on s'en bat les couilles, nous. 3 bêtes à 5 off. Allez, on s'amuse bien, on prend des sous un peu, peut-être, je suis pas sûr. GTA 907. Et on débloque 50 centimes, les gars. Ah, le shove 3 et 2, j'ai pas vu, putain. De quoi il parle? Ah, putain. j'ai pas vu. Ah non, mais le shove 3 et 2, ah ouais, le mien, pff, ouais, bah ouais, ouais, horrible. Ouais, ouais. Nul à chier. C'est pas grave, on va lui prendre maintenant les sous avec 3 et 6. Regardez bien. Donc là, on s'est bête un tiers. Tu sais, c'est qui? C'est un reg? Non. C'est genre, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, Ouroboros. Si c'est un mec, genre, c'est une star des fiches de PMU ou je sais pas. J'ai pas compris. Ou un mec qui est pas KV Max, reg. Valet 10. Je vais pas l'open. Allez, on va se bet un tiers sur SB Fish, je pense. Je suis même sûr. Et roi 9, faut ouvrir. Bon, lui, ça m'a l'air d'être un reg. Oh, Robouros. Oh, bah alors, tu sais, c'est très bizarre hein, ce que tu me racontes là. Check ici. Oh, Roboros. Je comprends rien. Mais c'est Turnus qui a mis le pseudo ou quoi? Je comprends rien, le mec il a mis le pseudo. On va check encore. Je mets une pastille, j'ai un read là, mais je suis pas sûr hein. Faut tranquillement. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. Je pense qu'il fait 30 au moins. Bah. Alors on va faire un point BR, tiens.
Petit point BR, on était à, je l'ai noté dans le titre, on était à 907, nous sommes à, oh, mais tout lag, 939, et pas trop mal. Il doit se marrer, ah putain, ouais non, ouais. J'ai, ce coup là il était bizarre avec 3-2. Bon, on va quitter cette table peut-être. Je vais me focus un peu sur le changement de table. Et on va open As-9. Ici, on va défendre Roi-10. Deux fiches. On va faire un petit mi-pot peut-être ici pour value. Et là... Je vais check ici. Je bloque des mains. Ouais, je sais qu'il y a des mains qui vont lead. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que là, il y a plein de mains qui vont bluff. Je vais pas raise. Hein. Je vais call. Enfin, oui. Ouais, je... La doublette du 9. Check ici. Ici, on va parpiner. Je vais peut-être bet ici, en fait. Parce qu'il a plein de draws qui vont pot. Et tant mieux s'il si a ce 10 ou je sais pas quoi. Et là, il a des valets, cet enculé. Check ici. Alors, en fait, mon thinking au flop, c'était qu'il avait plein de Broadway qui allaient des good shots et des machins qui allaient bêtes. Après, quand il pote. Je vais tank toute ma time bank et je vais check. Je vais essayer de lui faire peur sur un 9. Peut-être qu'il peut ne pas value, certainement. J'espère qu'il a dame 10. Wow, ok, d'accord. D'accord, moulu. On va prendre la note. Et là, c'est parti. On va en mettre 2. Didier, si t'as slopé un as, GG à toi. Mais ça m'angoisse rien qu'à l'idée de mettre le replayer sur ce site. On est d'accord, je suis bébé ici. Je sais bête. Tiens. Ici, je vais iso. Ah oui, d'accord. Il a check. Ouais, je me rappelais plus du coup. Putain, n'importe quoi. Je voulais. J'ai fait n'importe quoi. Oh, le raise. On va call, mais pas content. Fold. J'ai fait n'importe quoi sur ce coup. J'ai cru que j'étais... qu'on était en BVB. J'ai fait n'importe quoi, là. Bon, je suis assez inquiet, là, sur son... Ouais, inquiet, c'est peut-être pas non plus le mot, mais... Je suis méfiant. Le problème, c'est que j'ai un roi de cœur. Il peut me bluff un peu quelques... Ouais, le problème, c'est que je connais pas le gars. J'ai l'impression que c'est un fiche, mais il est sur deux tables. Wow, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là. Je sais pas pourquoi je le crois, le gars, quoi. 26 secondes, ok. On va check ici, faut le... Qu'est-ce qui me branle? Le problème, c'est que je sais pas. Il est sur deux tables, il recave. J'ai l'impression que je me fais own là. Bon, bah, vas-y. Hein. Ouais, franchement, il a peut-être As-Dame. Wouah! Oh, le bâtard, il a fait me faire fold. Hein. Wouah! N'empêche. Putain, c'est pas que j'étais une CS, mon pote. En fait, vu que je vois ses stats, je suis pas sûr. Il joue de table quand même. Ouah, le bluff. En vrai, avec un bloqueur valet, As valet. Ah, oh, le bâtard. Ah, ouais, ok, donc il est aggro, quoi. Oh. Insane bluff. Bah, Ouroboros, oui, bah, je sais rien. Si tu veux connaître si tu connais l'invité de jeudi, c'est que t'es soit Tignard, soit Turnus, donc c'est ça que je comprends pas.
Soit l'invité de jeudi, soit un pote à lui. Hein? Chelou. Me fais pas de devinette, déjà que je joue 4 tables et que je suis un PLS. Oh, insane son bluff à lui. Incroyable. Incroyable. Il m'a séché quoi. Avec le roi de cœur, c'est chaud de call, hein. Mais en même temps, je sais pas si je joue comme ça combo draw. Par contre, il peut jouer. Ouais, non, je comprends rien. As-Valet, il a pas d'intérêt à le chauffe comme ça. Quoique, il peut hein, en exploit. Insane. Putain, mais vas-y. Non, mais là, je... Ça y est. Faut que j'arrête de lire à gauche. Et ouais. Et bien sûr, mon... Eh, mais franchement, c'est trop bizarre. Peut-être qu'il faut que je change de PC. Genre là, le chat, il se met pas à jour. Je suis obligé de relancer. Du coup, je suis obligé de relire plein de messages qui arrivent d'un coup. C'est pénible. Allez, je vais pouvoir aller lire 12 000 messages maintenant. Enfin, 12 000, ça va. Vous n'êtes pas non plus un milliard. Ouais, ça m'énerve. Bon, je sais pas qui c'est Roboros. Dis-moi qui tu es parce que tu m'énerves. Ouais, Azizi, il va Piosco, il va enfin ouais, il va pas faire ça, j'ai l'impression. Et puis il va pas raise au flop. Ouais, je vois pas trop As-Valet, Valet-Valet raise au flop. Mais par contre, son bluff, il est ouf quoi. Mais après, je le connais pas, le gars. Je le vois sur deux tables, mais il est 30-17. Il a fait un truc bizarre tout à l'heure, il me semble. Dans ma tête, j'étais pas sûr que ce soit un règle. Le mec, il me tilte Roboros, là. Mais pourquoi vous me faites des blagues comme ça? Ok, d'accord, je vois qui c'est. Bah ouais, il y avait que deux solutions. Hein. 7.5. Ah, il ouvre pas des masses, lui. Je vais 3 bêtes quand même, mais j'ai un doute. Parce que j'ai des stats de Nit, mais je sais qu'il est pas Nit ce joueur. Je l'ai vu jouer ailleurs. Dans ma tête, je m'étais déjà dit une fois. Ah, il est pas nit en fait. Et voilà. Paf! In your face! Mon chrono a sonné, non? Ah non, pas encore. Le mec. Ah ouais, 16 minutes, ça va. Le temps ne passe pas vite. J'en chie. Je pense que c'est la chaleur extrême qui me fait en chier. Loulash, Loulouash, qui est souvent sur le stream. Ouais, j'ai un peu distendu les tables. Je trouve que ça fait un style. Elles sont un peu écrasées. Mais c'est pas moche. Ça permet de bien rentrer dans le cadre. J'aime bien. Bon, allez, on va essayer de trouver une 50 et de se focus un peu plus sur le jeu. J'ai tellement de problèmes à régler. Je comprends pas pourquoi mon chat il bug et il s'arrête. Je suis obligé de refresh la page. C'est assez pénible. C'est même complètement relou. Je vais quitter cette table de 25. J'ai pas envie qu'elle se réouvre. On va essayer de jouer de la 50. Allez, objectif 1K de bankroll avant la fin.
Allez, si on fait un cas, on arrête le stream. On est à combien? 972! 1-4 BR, on prend une pause. On va prendre une douche froide. C'est l'objectif. Allez, normalement, il reste 15 minutes. Il faut prendre une cave ou une demi-cave. Si c'est pas trop dégueu, ça va partir sur YouTube. Hop. La cagole. Et cheval. Ok, on a aussi ici un fiche, mais qui m'a l'air un peu neat. On va pastiller fiche neat pour l'instant. Si c'est 8, ce sera un fold. Roi 7, ça va être un 3 bet. Cheval. Cheval, 26-23. Oh, fold si c'est dit. Ouah, putain. Ah, le limp était évident. Sympa. Pas évident, mais sympa. Et oui, j'ai compris que c'était toi. Il n'y avait que deux possibilités. Mais vous amusez avec plusieurs comptes, là, les gars. C'est quoi ce délire? C'est pour faire plus de viewers. Ah, putain, le 4 et 9, quoi. Putain, mais je fais n'importe. Si on va small call, on fait fold des pockets. Et on value des draws. Bien sûr. Avec ces open 2x, on va peut-être avoir des calls. Et qui taille des pipes qui n'est pas si taille que ça, peut-être. On va voir. On va aller vérifier. Il a fait un raise ultra cher, mais là, on est obligé de call. Hein. Il peut avoir dame 10. Il peut avoir quelques mains, quelques draws. Et là, quand il check, est-ce qu'il peut me double check raise? Est-ce que c'est un profit qui... Putain, pour l'instant, il a jamais check raise, le gars. Je vais check gentiment, mais je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr de comment réagir. Ouais, moi, je pense que je vais fold sur un bet. Il va pas trop. J'ai l'impression qu'il va pas trop bluff mon snap call. Et bien joué. On va call ici. Ici on va check. Ici on va check encore. Hop. Et là on est parti. On est en value bluff. On va le parpiner. River. Ici on va call. Ici on va check. Fold. Check. Et ici c'est parti. Ça m'a l'air un peu tricky, mais bon, on va en mettre au moins un là. On va faire tout petit pour value des 10. Roi 10, allez. La river, j'étais en train de cogiter. Je sais pas trop ce que j'aurais fait. Ouais, je pouvais limper l'homme. Allez, la cagnoule. On va open roi 7 sur la cagnoule. 5 et 7. Il 3 bet pas mal lui quand même, mais bon, on va open 5 et 7 sur deux fiches. Fold, fold. Allez, les 1K, objectif 1K. Fold. Ah, il se passe rien. On en profite.
Hop. Est-ce qu'on aurait moyen de trouver une autre table pour ici? Non, non, elle est pas si mal. Ouais, bon, on va rester avec ces tables. Même si celle-là n'est pas très belle, hein. Ouais, elle est même pas belle du tout. Je l'aime pas, cette table. Deux fiches un peu tight. On va en trouver une autre. Ici, on va pas iso. Check. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais tout rame dès que je clique, c'est assez insupportable. Lui, il lead pas mal. Cela dit, j'ai pas l'impression qu'il va lead des tonnes sur flop. Je vais small, mais je pense que je peux check. Je peux tout faire, j'ai l'impression. Allez, on va 3-bet ici. Si on va check, on pourrait bet un tiers, mais pff, ouais, non. Non, pas du tout. Ah, cheval qui va faire le show peut-être. Je me demande s'il y a des mecs qui regardent le stream ou qui... Allez, ici on va pote. On va 3 quarts plutôt. Ouais, on va faire cher. Ici on va... On va small. Un peu mi-pot aussi, mais je veux small. Je préfère mi-pot absolument tout. Ici. Et ici, on va faire... 60%. Voilà, je suis pas trop sûr de mon coup là. Ouais. 60% peut value quelques mains, mais. Terrible l'as à la turn. Et ici on va fold. Terrible l'as. Terrible, terrible. On va check. Ça va passer. Transfo des pockets. Alors, 9-9, 10-10. Ouais, snap check. C'est terrible parce que là, sur son Snapchat, j'ai envie de value quoi. Il a des dames mix suit. C'est un peu sin, mais je vais le prendre. Ah putain. Est-ce qu'il va check? Ouais, il va check un as. Mais il aurait pas snap comme ça. Bon, peut-être qu'il a le plan de le check. Je vais ah, c'est trop sin. C'est un reg, c'est un peu nul. Je regrette au moment où je le fais, mais je me dis qu'il peut peut-être se chauffer à colonne. Un valet. Je connais pas le mec. Je me dis qu'il peut être un peu sticky. En 50. J'en sais rien. Je sais pas du tout là. Un peu trop sin peut-être. Est-ce qu'il y a une table? Est-ce qu'il y a une note 50 ici? On va check call ici. VS Matmav. Et là, on va faire tout petit. Tout petit pour value des SI. Et quelques mains peut-être qui pourraient nous call. Même des King Eye. Ok. Il nous a sloplé le flop. Mais cela dit, là, j'ai du mal à le croire, le copain. Putain, s'il a slow play une over. Ah, je vais le call, je crois pas. Ok, SI. Bah, j'ai value SI, hein. Je l'avais dit. Bon, là, je vais commencer à call un petit peu. Il joue beaucoup de mains, lui. Et VS2X. Ah! 972. Ah non, on a perdu des coups un petit peu. Allez, on hit une petite dame, on va check quand même. Il y a encore quelques A6 dans sa range, quelques dames mieux. On va pas s'enflammer, parce qu'on saura pas quoi faire river, on n'aura pas trop de clairvoyance, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, ouais, on va aviser. Fold. What the fuck? Ok. Allez pour toi. Je comprends pas pourquoi on est retombé autant. J'ai perdu un gros coup quelque part, je sais plus où. Alors, il nous faut une table de 50 parce que celle-là, elle va close, elle va se fermer. Allez, je vais enlever les 25 de mon lobby, ça sera plus simple. On se fait 3 bêtes, on va fold. Si on va se mettre un tiers. Et on va quitter cette table. Allez, on va se concentrer sur la cagnole.
Alors, la question, est-ce qu'on value ici ou est-ce que... Enfin, est-ce qu'on value? Est-ce qu'on met tout avec notre main? Je pense que oui. En deux streets, hein. On va défendre 3-7. Est-ce qu'on peut sortir d'une situation pénible en faisant mi-po et il va nous shove les... On fait un mi-po fold. Ah non, je vais plutôt value ici. Il aurait raise quand même des rois X en three-way. Enfin, en three-way, non, l'autre a fold. Je suis bête. Fold ici. Allez, 988 de BR. 12 balles, il nous faut. On veut 12 balles et on arrête le stream. Ça peut durer très longtemps, ça. Du coup, on va jouer tight. C'est quoi le... Ah! Fold ici et 17 blindes. Je sais pas si on va jouer cette table. Hein. On a plus de 50 disponibles. On va site des tables vides. Allez, on est parti. On va iso la cagnole et c'est là qu'on va tout lui prendre. Ouais, pas sûr. Pas des bords où ça fold des masses. On give up directement. Ça fold de rien ici. Ça colle trop d'A6. Il a toutes les pockets qui vont call. Je vais pas savoir quoi faire à la turn. On give up. Dès le flop. Allez, c'est la cagnoule qui va nous faire... Ah, une table là. J'ai trouvé une petite table. C'était 2 en fold. 5 et 9 aussi. Le chat est pas vif. Jamais être au stream à cet horaire. 17 personnes. On est en petit comité. Vous faites chier ou quoi, les gars? Allez, on open roi 7 off. Sur le 55-15. Il est passif. Ouais, je vais check call. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Hein. Je vais check call parce qu'il... J'ai dit il est passif, mais j'ai regardé, j'ai vu que pas spécialement. On va encore... Ouais, non, là, je dois en mettre deux. Là, je dois en mettre deux. Je sais pas pourquoi je check. Ah, il a coché. Ah, je voulais lui mettre max press avec ses assis, ses essais. C'est peut-être un peu naze. Allez, on va just call ici notre 5-5 VS33. Et je fold ici, fold ici. Aïe aïe aïe! Salut Domingo! Tu me vois? Ouh, Domingo! Check ici! Je vais mettre ma casquette comme ça. Ah, c'est déjà pas mal, hein. J'ai pas envie de montrer ma fif. Pourtant, je suis beau gosse. Hein. Putain, vous savez pas ce que vous ratez. Allez, on open. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose là, il se passe pas grand chose, c'est pas trop. C'est pas fun, il n'y a pas de fun. Allez, on espère que lui c'est un fiche. Ah! L'horloge de la fin du stream retentit. On va essayer de traîner un peu jusqu'à faire un 4BR. Ce serait quand même pas mal. Et on va fold ici. Est-ce que c'est la fin du stream? Avec cette paire de rois. Par contre, si on perd une cave en 50, ça va être compliqué. Je vais fold ici. J'ai l'impression qu'il open beaucoup, bouton, lui. Et Tom Jed qui cogite. Quand ça tank comme ça. Oh, il a tank beaucoup. Hein. Ah, je le mets sur une range weak, mais je ne se connais pas trop. Je vais call.
Je le mets sur une. Enfin, je sais pas. Il a tank beaucoup, mais le truc c'est qu'on se connaît pas trop. Je sais pas s'il sait que je. Est-ce que c'était de la simu? Qu'est-ce qui me branle? Coucher ici. Et là, il va falloir un call 2, c'est ça le problème. Bon, ben. On peut avoir As-Valet, As-Dame off. En value, et en bluff, il a plein de mains. Je vais suivre mon read. Je vais suivre mon read. Mais je suis pas content. Hein. Je vais suivre mon read et. Oh, mais qu'est-ce qu'il va me 4-bet? Il me bluffe maintenant. Ouais, je suis pas. Attends. Putain, il y a As-5 qui rentre. Ah, c'est peut-être un signe. C'est une des seules mains qui fait sens là. Mais bon. What the fuck? Ah, je vais fold. Je vais fold, je le crois. Mais c'est bizarre. Putain, j'aurais eu plus de temps là. J'aurais aimé. Oh. En même temps, ouais, c'est seul bluff. C'est des as. Enfin, il en a hein, des bluffs. Mais des Broadway suit, mais. C'est bizarre. Ah putain, je sais pas. Ici, c'est un peu chelou ce que je. Ouais. Ça y est, je commence à fatiguer. Et c'est un check raise. Allez, bah on repart, hein. On repart pour quelques minutes là, à moins qu'on prenne une cave tout de suite, mais. La cagnole! C'est toi la cagnole qui va nous. Ah, j'aurais bien aimé avoir sa main là, Tom Jed. Tom Jed. Il a l'air relativement aggro, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'infos. Ah là là! Allez, on refresh! Tom Jed, il m'a mis dans un spot de merde. Ouais, il a As-5, As-4. Il peut avoir quelques mains en bluff, mais ses mains en bluff, c'est souvent des As, donc. S'il faut, c'est même un fold turn. Lui, il a. Merde, putain, je voulais checker, hein. Il a call call au cutoff, donc. On continue de se dire que s'il n'est pas extraordinaire. Si on va bet cher. Et on va call ici. Là, on a tout le temps perdu. Assez souvent, on va dire. En plus, il va nous bluff une tonne. Mais bon, on peut pas faire grand-chose. Paire de 7. Ok. Allez, on est parti sur la pastille. Reg fish. Il y a deux regs derrière. Recall call cutoff. C'est bon. C'est bon quoi. Ok. Ça pote directement. Ouais. Moi. Je suis un peu déçu de pas être assez vif pour réfléchir à. Ce pocket bet là dans ma tête là, ça m'énerve. Bon allez, les tables sont pas trop moches. Celle-ci est moche. Pour l'instant, on sait pas trop, mais lui il vient de recave, non? Ok. Il est chaud le drink punch. Allez là, on veut. Même turn, ouais, j'ai pensé à Loulou, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. Je me demande si c'est pas un fold turn, ouais. Putain, vas-y, mais pourquoi je.
Ouais, le truc c'est que. Ouais, en fait, je me suis un peu basé sur son méga tank là. Mais peut-être que les mecs ils tankent les As comme ça exprès, mais je sais pas. Parce qu'il peut très bien jouer les As comme ça. Il peut jouer As-5, As-4 comme ça. Même As-Dame, il peut jouer. As-Valet. Je sais pas, non. As-Valet suit, il peut le 4-bet bluff. Ouais, de toute façon, ouais. On va fold ici. Et oui. Et je pense pas qu'il transfo. Bah, il 4-bet pas Valet-Valet. Il transfo pas. Dame-Dame, je pense pas qu'il le transfo. Ouais. J'aurais dû trouver un fold à la turn, je pense. Ça aurait été plus sage. Après, voilà, s'il n'y aurait pas eu le timing, je l'aurais trouvé, mais j'avais un doute. Je suis vraiment pas vif là. C'est bête un tiers ici. Fold. Fold. Allez, on fait un petit point bankroll. Ah, on est tombé avec ce pot 4-bet là. 958. Ça va être dur de faire un 1K là. Je pense que je vais devoir quitter avant. À moins que. En même temps, c'est l'heure. C'est l'heure des baleines là. C'est l'heure des baleines. Il devrait y avoir des mecs qui arrivent et qui font des livraisons. À 19h là, comme ça là. Après ils vont aller manger, mais du coup il faut qu'ils fassent tapis à toutes les mains. Je crève de chaud quoi. Et voilà. Allez, on fold. En boucle. On n'a pas trop de. C'est pas une session où on run trop, j'ai l'impression. Enfin, au niveau des cartes, hein. Sinon, ça va à peu près, on est pas mal. Baltazarius. Qui arrive et du coup on va pouvoir quitter une table. Fold. Mais tout a une latence. Ah bah voilà, Balthazarius, il arrive, il va nous donner une cave en 50 et le stream est terminé. Et là il faut raise cher. Pareil, snap fold. Quelle table on voulait quitter? Ah putain, mais elle est devenue belle. Bah une 25, on va quitter une 25. Overrolled. Et on va quitter cette table. On va la mettre sur le côté. Si un coup, je mettrai au centre. Allez, c'est parti, on va jouer HU avec lui le plus de mains possible avant que les règles arrivent. Ah, mais il a recavé. Il a recavé. Pas sûr que ce soit un fiche. Et ouais, il a envie de HU du reg, le Balthazarius. Et oui, putain, c'est un reg. Pénible. J'étais tout content, moi. Il a sit out. Tout ça pour ça, Balthazarius. Ah, est-ce qu'il vient de re-sit un autre reg? Possible. On va voir ça. Balthazarius et Chihuahua de règles. J'ai l'impression. Hein. On va coller 7. J'ai l'impression qu'il est. Il a envie de nous montrer sa testostérone. On va call une street. Pas très content. Sur son bête MEP et overbet. C'était sûr.
Il est chaud le Balthazarius. Putain, il me prend la tête, il vient, il sit out. Oh. Il va revenir, je sens. Bon, basique et la cagole, on veut des mains contre eux. Putain. Allez, là, le 1-4 de BR, là. On pourra jouer la 100. En étant un peu en forme. Je vais être obligé de réouvrir une 25 ou quoi? Ah merci Loulou. Loulou. J'ai envie de t'appeler Loulou. Bon, je vais finir par m'énerver là. Hein. Il se passe pas grand-chose. La clé, c'est d'attendre. Et là, je suis typique dans un moment où j'ai envie de forcer le jeu. Et il faut pas. Il faut rester carré. Allez, on va défendre. Ça va être dur de prendre une cave, même avec flush, mais on peut essayer. Call. Ok. Bon là on est parti, hein. Il a des DP qui check, il a des grosses mains. On n'a pas envie de se faire re-raise en bluff, même si c'est un fiche qui va pas forcément le faire avec un as de carreau, mais là je le croirais pas s'il me raise de toute façon. Mais il avait des DP, il avait des As-6, je sais pas. Ah, je sais pas. Non, j'ai fait trop cher. J'ai fait trop cher. J'ai pas assez réfléchi. Mais je me suis dit qu'il pouvait me call beaucoup en mode. Yeah, il fait jamais ça avec flush, mais. Pas sûr. Ouais, c'était pourri. Je préfère pote. On va fold ici. Allez, la cagole. Elle est pour nous, la cagole. On bat les couilles, j'ai open 2.5. Allez, on a trois mains. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va iso ici ou on va iso vs sans blind? Ici, on va open. On espère qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Call call de Sasuke. Assez bête. Hein. On va check quand même. Ok. 4. Je vais essayer de pas tout expliquer parce que ça me commence à me faire perdre du focus. Ce qui se passe dans ma tête. On a payé une fois, on n'est pas content. Allez. Allez. Faut qu'on chatte. Enfin, qu'on chatte. Faut que ça tienne et ça tient. Ici, on va check. Est-ce qu'on a un 4BR? Je suis pas sûr. Je sais plus combien j'ai dit tout à l'heure, mais on a perdu des petites caves. Et là, j'ai un peu du mal, mais je pense qu'il va m'en mettre 3 une fois que j'ai check call. Putain, c'est ça qui est problématique. Il a l'air bien aggro, le poteau. Je bloque ses bluffs, je fold directement. Même si j'ai un peu du mal à le croire, mais on va fold ici. Et on y est! C'est parti, fin du stream. 1005 euros. Ici, on y est. On est parti de 80 euros en NL10. On a monté un K, les gars. Ça commence à être intéressant. Je vais pouvoir jouer la 50 et la 100, peut-être. Avec un BRM ultra aggro, on va voir. Bon, c'était cool. Est-ce qu'il va y avoir une autre main? Non, je vais couper le stream. Oh, allez, non, il nous reste 3 mains à jouer. Ah, ce serait con de perdre une cave maintenant, mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on coupe le stream. On
on termine gentiment cette petite session avec un stream d'une heure vingt à peu près, c'est pas mal. Allez, on va open As-10 avec le fiche en blinde et au bouton. Et peut-être même en SB d'ailleurs. On n'est pas à l'abri d'un spot casse-gueule. Ok. Ça sent pas trop le spot casse-gueule non plus. On va check. Et roi valet, on va être obligé de l'ouvrir aussi ici avec deux fiches dans les blindes. On va encore check. Snap check back. Des fois on gagne. Mais bon. 7 et 2 off. Et bien voilà, merci messieurs, dames. C'était un plaisir. On va quand même regarder. Mon HM il est bien pété. Mais bon, on va quand même regarder nos résultats. Normalement, on fait 90. À peu près 100 euros. Voilà, ça doit être du gros bébé 100 là. Faut que j'aille regarder mon alias. Ah non, c'est pas ça. C'est mon alias qui s'appelle Challenge 50 compris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc bizarre là. Ah, parce que j'avais mis 12 heures. Challenge 50 compris. On est pas mal, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque des mains. Ah oui, parce que j'ai joué de la 100, c'est pour ça que j'ai joué de la 100, c'est ça qui m'a fait monter aussi un peu la rod, j'ai joué 2-3 mains. Ah non, j'ai même joué une main en 200. On est pas mal, hein. C'est assez beau. Comment faire? Bref, voilà, comme ça. Voilà le challenge. Et en fait, faudrait que je mette la 200 aussi, parce que bon, je m'étais un peu chauffé une fois. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque des mains. Bon bref, tout ça pour dire que on est pas mal et qu'on va pouvoir s'amuser avec ce petit challenge quand on est fatigué, etc. Merci à tous, je rends l'antenne. À vous les studios. Merci aux viewers et aux followers. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre des pouces, tout ça, à vous abonner, tout ça. Je pensais jamais dire ça un jour dans ma vie, mais bon. Bah ouais, ça nous soutient les copains. Allez, salut. Salut les viewers. Ciao!